Et yo tout le monde, Skaito, j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube pour parler de Hirozuku Sekai no Ashitakara. L'histoire se déroule à Nagasaki dans un monde où il reste une toute petite quantité de magie dans le quotidien. Itomi Tsukishiro, une lycéenne issue d'une famille de magiciens, souffre d'achromatopsie après le décès de personnes importantes pour elle. Ayant perdu son sens de la couleur, Itomi n'a plus la joie de vivre dans le monde qui l'entoure et est perpétuellement seule. La nuit du feu d'artifice d'été, Kohaku, sa grand-mère, décide d'envoyer Itomi 60 ans en arrière en 2018. Ainsi, Itomi va retrouver Kohaku à l'âge de 17 ans et ses amis du club d'art et de photographie. Pour que celle-ci se familiarise avec la nature colorée de l'adolescence et retrouver sa joie de vivre d'antan. Nous sommes bien face à un voyage d'acceptation et de découverte de soi. Avec 13 épisodes, Hirozuku Sekai no Ashitakara a bien créé un sens de l'intrigue avec son principe. La personnalité initiale d'Itomi changera grâce à la petite étincelle du développement de l'amitié. Au départ, Itomi a du mal à se connecter avec ceux qui l'entourent. Pourtant, le principal attrait de cet animé est la perspective de voir Itomi mûrir. Les personnes qui l'entourent et les décisions prises par Itomi auront un impact tangible sur sa vie et sa vision du monde. Leurs aspirations et leurs défis reflètent des aspects de notre propre expérience. On ne peut donc s'empêcher de se demander comment trouver une solution aux différents problèmes et douter de chacun. C'est un récit fort et global, Hirozuku Sekai no Ashitakara explore diverses difficultés rencontrées par des adolescents, de la lutte pour déterminer ce que pourrait être son avenir aux questions de cœur. Cet animé est capable de tout gérer, des futurs à la romance, en passant par la magie, sans oublier ses intentions. Ainsi, la croissance personnelle pour chacun de nos personnages résulte du soutien mutuel tout au long de l'animé. Hirozuku Sekai no Ashitakara traite toute une gamme d'éléments, de la magie à la vie quotidienne. Tous ces éléments, bien équilibrés avec la croissance d'Itomi, contribueront à créer un monde riche et détaillé qui lui permettra de redécouvrir la magie et ses avantages. Ce sera alors un voyage amusant et significatif pour Itomi. Avec ses illustrations exceptionnelles et une animation forte, Hirozuku Sekai no Ashitakara donne vie à un monde fictif. Cet animé raconte une histoire fascinante tant par son authenticité que par son impact émotionnel. C'est ainsi qu'Hirozuku Sekai no Ashitakara est un des meilleurs animés que j'ai vus. Sur ce, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager cette vidéo si vous en avez envie et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo et surtout, n'hésitez pas à aller voir et liker mes dernières vidéos, ça me ferait extrêmement plaisir. Moi, je vous laisse ici, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde.